Bonjour, bonjour, et eh bien voilà, donc je suis à Clermont-Ferrand, c'est ce que je vous avais prévenu, hein. J'allais à Clermont-Ferrand, et je suis donc avec un ami, Patrick Méchin, et il nous a fait un petit concert de 45 minutes quand même, et je vais vous le présenter sur la vidéo qui va suivre, parce que je ne peux pas mélanger les deux, vous savez très bien que je ne peux pas faire de montage, et donc... Donc je vais juste demander à Patrick qu'il nous explique ce qu'il fait, et puis c'est tout, voilà, partager ça avec lui, et où est-ce qu'il a appris ce qu'il nous a fait, enfin voilà, qu'il vous explique un petit peu. Voilà, Patrick, salut. Bonjour, je suis ami avec Aurélien depuis quelques années, et donc moi c'est pas vraiment un concert, je suis pas musicien, donc c'est un voyage sonore, donc c'est plus se laisser pénétrer par les vibrations, se laisser vraiment habiter par les vibrations, laisser les vibrations traverser son corps. Et donc j'ai la chance on a une amie commune qui s'appelle Catherine Darbor, avec qui j'apprends en ce moment cette passion. Ouais. Et je fais partager. Voilà. Tu utilises quoi comme type d'instrument? Des instruments assez classiques qu'on connaît un peu tous, c'est-à-dire les bols tibétains, quelques bols rimes, un petit peu des instruments que j'ai glanés un peu à droite à gauche. Bon, les carillons, zéphyrs, des boîtes à tonnerre, des handpans. Ça rappelle un peu steel drum, si on peut dire. Puis Y a un instrument en particulier que tu préfères? j'adore le steel drum, là. C'est Le quoi? petit steel drum, là, c'est Vas-y, cet montre-nous ça instrument-là, juste. qui a un son assez magique. En as joué tout à l'heure. Vous l'aurez dans la deuxième vidéo, je pense, d'Aurélien. Voilà, donc juste un clin d'œil. Et puis, je vous dis à demain, comme d'habitude. Et puis, passez une bonne soirée du samedi. Pour le voyage sonore, je vous conseille. Alors, bien sûr, vous pouvez regarder la vidéo, puisqu'en fait, Patrick se déplace avec les instruments, donc vous pouvez les voir. Mais l'autre solution, c'est de vous allonger et de vous laisser porter par les sons, de la même façon que ce que nous avons fait. Mais vous pouvez regarder au début et puis ensuite vous allonger tranquillement. Vous mettre bien au chaud avec un peu une couverture ou quelque chose sous la tête si vous le souhaitez, et puis laissez-vous porter. Voilà, donc vous aurez 45 minutes dans la prochaine vidéo. Merci, allez, au revoir.